Ça y est, c'est la rentrée et vous êtes toutes et tous prêts à vivre ce moment important. La rentrée, c'est quoi? C'est tourner une nouvelle page de votre vie. Certains changent d'agenda au 1er janvier et vous, vous allez changer d'agenda au 1er septembre. Changer d'agenda pour prendre une nouvelle route, pour prendre une nouvelle route dont vous connaissez très certainement le point d'arrivée, mais dont vous n'avez pas encore idée de l'ensemble du tracé. Et pour aller sur cette route de façon sereine, je voudrais vous partager aujourd'hui deux ingrédients. Le premier, c'est faire confiance. Et je m'adresse d'abord à vous, apprenants. Faites confiance aux enseignants, aux formateurs, aux moniteurs, à tous les personnels que vous allez rencontrer dans les couloirs de votre établissement. Tous ces personnels sont formés, sont motivés, sont engagés pour vous accompagner dans votre projet. Dans votre projet de vie, dans vos objectifs de diplôme, bref, sur tout le parcours que vous allez connaître tout au long de cette année scolaire. Et je m'adresse aussi à vous, membres de la communauté éducative, personnel de l'enseignement agricole, bien sûr, mais aussi famille de ces jeunes. Faire confiance, c'est accompagner cette nouvelle génération. Nouvelle génération qui est forcément différente des précédentes, qui a de nouvelles attentes. Mais vous êtes là pour les accompagner et je tiens à vous en remercier. Le deuxième ingrédient, c'est viser l'excellence. Je n'ai pas dit être excellent, c'est viser l'excellence. Pour vous, apprenants, c'est quoi viser l'excellence? Eh bien, c'est aller chercher ce demi-point de plus dans la moyenne. C'est viser la mention en fin d'année. C'est oser aller vers celui qu'on ne connaît pas, oser poser une question, oser un nouveau projet, oser une rencontre, oser peut-être aussi une nouvelle formation. Et pour vous, membre de la communauté éducative, viser l'excellence, c'est justement s'adapter à la hauteur et à la mesure de chacun, aux capacités de chacun. C'est accompagner chacun dans ses capacités, dans ses possibilités et dans son projet. Vous le faites depuis très longtemps et c'est ce qui fait la vraie force de l'enseignement agricole. Nous en sommes tous fiers et je tiens à vous remercier ici pour cet engagement que vous prenez auprès de cette nouvelle génération. Alors il me reste à remercier toutes celles et ceux qui ont préparé cette rentrée déjà depuis de nombreuses semaines, rentrée qui sera très certainement une réussite. Il me reste à vous souhaiter une bonne année scolaire 2024-2025 et une belle réussite. À bientôt.